Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. On dirait une gigantesque chauve-souris. Elle a l'air de venir du fin fond du néant. D'un coup de baguette magique, peut-être. On n'est pas dans un conte de fées. Des robots de forme humaine. Ils ne viennent sûrement pas de la Terre. Des extraterrestres? Non, c'est impossible. Quoi? Une invasion d'extraterrestres? Le vaisseau spatial est d'une forme totalement inconnue. Et les robots possèdent deux bras et deux jambes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a jamais eu de preuves réelles de la venue d'extraterrestres sur la Terre. Et ici sur Mars non plus. J'ai consulté tous les rapports de deux siècles passés, aucune trace de vie que la nôtre. C'est d'accord, mais il se peut que les investigations n'aient pas été bien faites. La technologie n'était pas encore très avancée. Ceci dit, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Que toutes les forces armées se préparent à l'action. À vos ordres. Il doit se passer des événements très graves. Oui, c'est pas tous les jours que l'on voit un tel déploiement de forces blindées. Et si on allait voir sur place? D'accord. Allez, dépêche-toi, grimpe. J'arrive. J'ai peur que ça tourne très mal. T'as qu'à rentrer si tu trempes dans tes chaussettes. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Ah, tu es fou. Ta curiosité risque de nous coûter très cher. Regarde, voilà le directeur et son escorte. Oh, des tanks, il y en a partout. Fantastique. Tout ça devient de plus en plus intéressant. Vous avez analysé les données de ce vaisseau? Vous savez d'où il vient et à qui il appartient? C'est impossible de vous répondre. Je n'obtiens aucune information. Et si c'était vraiment des extraterrestres? Je le souhaite. J'ai toujours trouvé que la vie sur Mars manquait de piment. Demandez-leur de décliner leur identité et le reste. Tout de suite. Commandant, il semble vouloir nous dire quelque chose. Laissez tomber. Rien à faire. Je n'arrive pas à communiquer avec elle. Ils doivent être pacifiques. Des gens pacifiques et qui ne veulent pas la guerre. Contre-attaquez, vite! Ils ont un robot gigantesque. Oh. Joe, attention! Mets-toi à l'abri! Joe, ne reste pas là!
Aide-moi, rentre chez toi. Oh, ce tas de ferraille ne m'a pas l'air d'un rigolo. Il va falloir se montrer futé. Et s'il s'imagine que je vais me laisser piétiner? Oh, mais quelle ravissante jeune fille! Docasio. Hein? Dios paye kayaka. Je ne vous comprends pas du tout. Oh, non, 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 je vous promets que je ne suis pas votre ennemi. Oh, misère, ça se corse. Oh, laissez-moi entrer, je vous en prie. Cette boîte de conserve va me découper en rondelles. Il faut que je me cache ou je finis en serpentin et confetti. Oh, 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 j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Je l'entends qui arrive. Oh. Quoi? Je crois que j'ai tout compris. Je suis enfermé dans un robot. Et ce robot a l'air de bouger et d'obéir selon mes ordres. Non seulement je suis sauvé, mais je vais bien m'amuser. Du tout. J'ai vu un gigantesque robot se changer en lion et combattre les autres robots. Et où est Joe? Joe! C'est lui qui le manœuvrait. Tu peux nous dire ce qui se passe? Ça, j'aimerais bien le savoir. Cette première rencontre avec les extraterrestres va complètement changer le destin de Joe. Mais il est encore bien loin de s'en douter.